Osama Lam, tu es bon. Osama Lam, tu es bon. Osama Lam, tu es bon. Tu fais pleuvoir sur les gens comme les mauvais Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Toujours fidèle. Pendant que nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Osama Lam, tu es bon. Merci pour ta miséricorde chaque matin. Nous irons te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus. Nous pouvons nous rasseoir sous ses présences. Jésus, à ton moi, madame. Que Jésus-Christ soit élevé dans ton cœur. Na kombo na Yesu basi. Na kondinga totanga. Et ce soit na kso principal. J'aimerais que nous lisions encore notre verset principal. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Verset en David, au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Et relève-toi d'entre les morts. Alléluia. Et le Christ luira sur toi. C'est-à-dire, sans le réveil spirituel. Moi, yes, ma sœur, à Kengisa. Akenga likolo na yo, akenga kesna yo, ezate. Pour vivre kokengisa Yesu, epanakana kozala réveillé, kolamuka na pongia molimo. Dans ces derniers temps, et ce n'est pas luka elongiazan de potos à la acclamer pour Dieu. Na o itali mikolo ya suka, nous devons chercher la face de Dieu pour être enflammé pour Dieu. Kozala acclamé pour Dieu, et je t'ai dit qu'on réveille. Être enflammé pour Dieu nous montre le réveil. Et ce que j'ai enflammé, Deko, à ta bas démon, à quoi fait béni à peine à eux. Et si tu es réellement enflammé, même les démons ne pourront pas t'approcher. Parce que ma on ne touche jamais au fait. Alléluia. Yangwa et Dimango, beaucoup t'as dit dans Luc 24, beaucoup t'as dit dans Jérusalem, qui vous a enflammé, baptisé du Saint-Esprit et du feu. Voilà pourquoi il dit aux apôtres de ne pas commencer la mission jusqu'à ce qu'ils seront baptisés du Saint-Esprit et du feu. Pour maintenir motowana flamwana et yakakate na religieuse christienne et yakayako lukaye kwa yakana mposa et yakana le sang de vérité où est-ce que vous tenez à mutema. Alléluia. Amen. Ose la pasteur, ose la homme d'affaires, femme d'affaires, bisognoso et sengeli tombe la moto. Qui que tu sois sous le soleil, nous devons être enflammés. C'est ça le réveil. Quel est le réveil? Yamolimo. Qu'on veille et qu'on prie sans cesse. Et botaka, réveil spirituel. Le fait de veiller et prier sans cesse génère le réveil spirituel. Et qu'on commence à être enflammé pour Dieu. Cela va t'enflammer pour Dieu. Luc chapitre 21, verset 34 à 36. Luc chapitre 21, verset 34 à 36. Version David et au nom de Jésus-Christ. Et prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient apaisantis par la gourmandise et l'ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que ces jours-là ne vous surprennent inopinément. 35. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. 36. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Alléluia. Voici un semaine à l'obé, verset 36. Restez sous vos gardes. Et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. C'est pour dire, Elie Koloba, surtout dans le Congo,
surtout dans le désert où nous pour sommes. Pour la réveiller spirituellement. Pour que tu sois réveillé spirituellement. Alors, première chose. Et l'okoyaliposo. Restez sous vos gardes. Sikala, oui. C'est-à-dire, veillez. Et du coup, la française. Colombatine. Parole de Dieu, elle dit attention. Kabokébi. Zalana, bokébi. Toi. Chaque jour. Mikolo nyoso. Est-ce que Nazaka Kananzela ou Ben Atengami ou Ben Apengui? Je suis toujours dans les bons chemins ou soit je suis égaré. Est-ce que Moutunazo Tamboula na yoyo et Zamalam Ponaye Ngai attaque moi na Zambé? Yoswana, ça fait partie aux obéis. Vous obéis une enveloppe. Est-ce que Nazo mène vie à l'ensemble consistant? Est-ce que Nazo, est-ce que? Est-ce que communion n'a pas été? C'est ça, vous osez ça, Nini? Veillez. Le fait de veiller, c'est de te poser à chaque minute qui passe des questions concernant ta femme. Est-ce que vous trouvez la copie de la libacoute et de la zambé? La communion n'a pas été. Est-ce que? Il faut beaucoup de. Est-ce que? C'est ça qu'on veille. Veillez sans cesse. Et à l'objet, priez sans relâche. Sambela koti katye. Continuellement. Komba sans cesse. Koti katye. Pourquoi? Alobi, il dit, et qu'on peut t'aider force. Il va te donner la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Ça va pas. Alobi, à tout ce qui doit. C'est-à-dire, il y a des choses qui doivent arriver. Selon la parole prophétique. Tu ne peux pas changer ça. Mais dans le réseau, Yawana, Yona Via, veillez et priez sans cesse. Et qu'on peut t'aider au makati. Force. Si tu traverses les épreuves, vous avez besoin de réveil spirituel. Alléluia. Alors. Parce que si vous avez réveillé spirituellement, au colonga dans le physique. Vous voyez que vous avez pongi, vous avez une faiblesse à moto. Est-ce que vous savez que pendant les sommets, vous avez une moto vers Kolemba? Vous avez la nani, vous avez l'enfant, vous avez la nani. Ngonga ya pongi eza ngonga moto ata aza Goliath aza nani eza ngonga ya peuple. Qui que tu sois, durant le sommeil, tout le monde est dans la faiblesse. C'est le moment, le corps de Christ, les enfants de Dieu doivent prier plus que jamais. Quel est le moment où le corps du Christ doit prier plus qu'auparavant? Ngonga toujours pour tenir un réveil yango parce que nyoso na mokili ezo combattre contre le réveil spirituel. Quel est le moment où nous avons plus besoin du réveil spirituel car tout tourne à l'encontre du réveil. Depuis l'histoire de l'humanité, une génération habituelle ezo vivre distraction satanique diabolique. Oh ils ont pour ma réveil na kati ya esprit ya moto. Depuis l'humanité, c'est dès le jour où nous vivons des choses qui servent à anéantir la spiritualité dans l'homme. Les gens se promènent presque. Autant la télévision, ma bé. Il n'y a que la nuit. Autant la journée, ma bé. Alléluia. Bah, biloko, bah, c'est mis dans ma boko, yo. La génération est un gars, ma discipline à haut niveau. Sinon, moto y a un temps de réveil. Et ça a été ma vie à moi, non? Au commis païen, ma quelque chose, tato là. Comme vous voyez, ça m'a beaucoup. Au commis déjà païen. Il y a beaucoup de monde, l'élo, la génération, la différence est d'être un service, n'a pas tué à moquer. Est-ce qu'il y a un peu? C'est pas bon. Il y a un peu à moquer, le bazar à l'est, n'a qu'à l'église. Oh oui, Aza, Alès. Mais Nakala, Aza Kalès. Auparavant, ils n'étaient pas à l'aise. Pense à Bango Zanini. Réveil spirituel. Leur force. Pense à Bango Zanini tous les jours. Le désir de chercher le. Vie de prière sans arrêt. La vie de prière continuelle. Ma pénis, mon tour, ma barbe, Azo Kangama. Ils enflammaient partout et. Terrasse de mon Kangama. Chrétien, il y a ce qu'on a dit qu'on a mené vie de prière consistante en privé personnellement. Je vais te dire, Osaïa, qu'on coupe à mon livre.
J'aimerais bien dire que tout chrétien qui ne parvient pas à mener une vie de prière consistante, ça c'est le bien que tu es parce mort. Que prier, c'est que les la souffle, il y a moins dans Zambé. Car la prière doit être ton oxygène. Autant respirer en gros. Tu dois le respirer. C'est ça ta vie. Telle est ta vie. Pour échapper. Bon accomplissement. C'est des mots de distraction de notre génération. C'est ta vie bien-aimée. Il faut la vie de prière consistante. Et c'est un peu comme ça. Tu as dit que tu as une vie de prière consistante. Nous avions commencé par un vif désir et deuxièmement, avoir une vie de prière consistante. Prier sans relâche. Prier sans relâche. Pose à la force. Pour que tu aies la force. Pour surmonter tout ce qui doit arriver. J'aime ça. Yango na loba kaiza mon côté na lobi. Ce que j'ose dire là, onction qui parle là, écoute pas na vie na ngai au côté. Pas que na yebi c'est clair. Il faut qu'Akana foute à prix. Tu dois payer le prix. Moto et continuellement co. Ainsi le fait sera continué dans ma vie. Alléluia. Bizikayo sur le sabre d'Otoka. Puis à la prière ardente. Puis à Zambé Kitaka. La puissance de Dieu descend. Bonjour Saint Joachim Kitaka. Le Saint Esprit. Moto et Kitaka. Le fait descend. Le sabre d'Otoka bénit la moto et Amolimo. Que le fait qui attire la prière qui attire le feu spirituel. Physiquement, pour moi, tu es Koni n'a pas de molimo. Et ça, c'est ce que Nayoki. Nayoki. La chair et l'esprit, baza camarade. Mon souni, pe molimo, baza la canabango, baninga. Il faut boma, ba posa yanzoto. Il faut résister ma réclamation yanzoto. Si tu veux rester éveillé spirituellement, tu dois anéantir les désirs de la chair. On peut bouleverser notre monde sans qu'il soit spiritualisé, ma cambo. Sans qu'il soit ma cambo, dans mon livre, tu peux finance et coton, ça y est. Yo, c'est coton, ça y est. Sans qu'il soit spiritualisé, ma cambo. Tout te sera soumis si tu spiritualises. Oh oui. La vie. Parce que les spirituels dominent, gouvernent le physique. Oui, c'est ma cambo, mon livre, on est comme ça. Il y a un gros satana à. Champion, il y a manipulation dans nos vies. Alléluia. Pesa bango et loko. Kopesa bango ke na iglesia ba ke ne me. Baza la tante pour na zambe na bango. Aussi longtemps que vous en attendez pour na ye, mais vous allez réveiller spirituellement exalté. Les bandits les lots et talatango à Daniel. Ba monique à zana force mingi. Ba ke kopisa loa pour epeksa bango ba zambe la. Malgré loa na bango, j'ai à bongo les finettes. Abaniko zambe la. Amen. Satan a éloqué quoi l'ingacaté la vie de prière. Les dons c'est leur richesse. Quand vous allez vous suivre, la richesse dans la position. C'est la richesse que Dieu nous a donné. Aux autres, tu penses en vos dégénés. Comment tu le dépenses? N'abé, ton et la richesse. Comment tu investis ton temps chaque jour? Dans les choses spirituelles. Par rapport à la chose physique. Les juger. Combien de temps les lots aussi au principe de Makamu Amolimo? Combien de temps as-tu investi pour les choses spirituelles? Par rapport. Par rapport aux choses que tu manges. Tout ça, ça compte. Voilà pourquoi notre monde aujourd'hui est inondé de toutes sortes de choses. Voilà pourquoi notre monde est pollué de toutes choses. Qui nous dit ça? T'as commis artificiel. T'as commis oyo y a nature sous tout terre. T'as un lit original. T'as un souci aux ambassades qui. Solo artificiel, mino artificiel. Tout est artificiel. Artificiel, l'anti artificiel, bébé artificiel, ciment artificiel, liboso solo artificiel. Toto kende wa. Où allons-nous? Tout ça est à pour nous contester, mais c'est pour ma vie spirituellement. Mais il faut la décision. Il faut la discipliner. Sinon, moyen, il y a réveil spirituel continuellement. Et ça, il y a un moment, tantôt aux amoto, tantôt aux amalies, alors il y a un constant zabino.
parce que tu n'es ni chaud ni froid. Lelo wana yo mwana nzambe me okomi na makambo ya mokili. Odomi yeba kuti omuni yango normal. Et le combat des autres piqués, esprit n'a été non. Pour toi, c'est normal. Alléluia. On continue dans le groupe. Qui est adoré dans des groupes. On vous apprend comment dompter les hommes. Alléluia. Amen. On continue dans le groupe. Vous avez des groupes. Combien élèves pour cela n'a pas coach. Tu viens là pour te laisser coacher. Est-ce que c'est normal? Tout ok, mais yango, il faut mener vie de prière pour la saisir. On saisit l'esprit naïo avant qu'il ne moussika. Voilà pourquoi il te faut une vie de prière pour saisir. Un chrétien mature, c'est celui qui pèse. Hein? C'est voilà. C'est ressaisir. C'est ça, ça je te respecte au kobungate. Mais ce qui est au coca pour te ressaisir, c'est ma wapona yo kobunga yoso yangoa. Parce que Satan a koya pour te ndeko, aye ko meka yeso ya koloba yo. A meki ba porte Pierre, a meki ba nguba Judas pa kei. Pierre zambe a souillé. Alléluia. Yo mati a singui. A meki yesu. Il a tenté Christ. Tamusie. Yesu a landié. Mais Yesu a se ressaisi. Moutouazan réveillé spirituellement. Akoye bake, moutouyo na kotambula na ete. Oyo na kotambula ete. Oyo na kongo sala ngote. Oyo na kongo sala. Yo moko oza komi sambisa. C'est-à-dire, oza nan na réveillé. Mais to kite, to ozo kenina n'importe qui atkwa mawa pona yo. Mauvaise association corrompe. Nanina pose une question. Peut-être que vous vous avez dit. Dengeni toye bake, toza malade physiquement. Yo moko oye. Maman. Nous autres, bien au nom de Jésus. Oh, Lélo, Moutou, ça va. Toye baka, n'est-ce pas physiquement? Oui. Pour la nini, okoko ye bate spirituellement. Oh. Mais posez une question, réfléchis. Pose-toi cette question. Il y a des choses. Oh, yo, y'a quoi l'objet veillé. C'est là. Prends attention, prends garde. C'est à mon kébi. Tout votre temps, y'a. N'a niveau, n'a pas calé, n'a pas attaqué, 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 mon statut, j'ai des problèmes. Tout ce yokana, quel rapport entre la lumière et le ténèbre?